Laurie, bonsoir. Bonsoir. Artiste chanteuse, la touche féminine du jury, quelles sont tes attentes ce soir? Alors, mes attentes ce soir, c'est de passer une très bonne soirée en compagnie du public et des nouveaux talents. Et puis, bah voilà, d'écouter leur voix, voir ce qu'ils nous proposent, si elles ont réussi à s'approprier les chansons. Donc, voilà. Super. Maki, artiste régional reconnu, que penses-tu des NTBH au niveau du tissu artistique local? C'est un super tremplin. Pour avoir participé en tant que musicien l'année dernière avec Marie-Evan, ça peut proposer des belles opportunités pour les artistes qui se développent dans le milieu de la musique au niveau banan. Merci. Paul, bonsoir. Bonsoir. Bassiste du groupe Aston. Exactement. À quoi seras-tu attentif ce soir particulièrement? Alors, et oui. Et qu'est-ce que tu as apporté, toi, ton expérience? Alors, de ce que je vais pouvoir apporter de mon expérience, c'est surtout celle de mon expérience en tant que musicien, notamment de différentes études que j'ai suivies et tout, et essayer d'appliquer un petit peu tout ce que j'ai appris et, par rapport au fait de juger les participants. Et donc, je serai plus attentif, disons, on va dire, à la technique et au rythme, à l'assise, enfin, tout ce qui concerne vraiment la prestation musicale des participants. D'accord, merci. Jean-Mi, présent. Musicien professionnel, président du jury, quel est ton avis sur l'évolution des NTBH? Alors, quelle évolution, c'est très impressionnant parce que c'est un petit peu comparable à une boule de neige. Il est parti, Benoît est parti avec petits moyens, beaucoup d'envie, beaucoup d'amour. Et cette boule de neige a fait son chemin a grossi, il a su s'entourer de toute une équipe qui est formidable. Aujourd'hui, à l'auditorium, il nous donne aussi des moyens visuels et techniques qui sont un peu exceptionnels, et c'est toujours un régal d'y participer. Il y a un beau décor, enfin, ça devient vraiment quelque chose de top, quoi. Je pense que c'est les meilleures conditions qu'on puisse avoir pour des novices, entre guillemets, et des débutants. Merci beaucoup. Mais de rien. Très très bonne soirée. Merci.